Si vous recevez cette vidéo, c'est que quelqu'un de ton entourage est convaincu que tu pourrais apporter ton aide dans notre projet calendrier boudoir pour hommes et pour femmes. En effet, nous pensons que vous pourriez être le propriétaire idéal que nous recherchons. Nous sommes en train de créer un calendrier unique mettant en valeur la beauté et la confiance en soi de chacun. Et nous pensons que vous pourriez être une contribution précieuse à ce projet. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Michael Fafard et je suis photographe depuis 10 ans. J'ai acquis une solide expérience sur le terrain et j'ai participé à de nombreux projets. Votre participation est essentielle pour nous et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Le but est de varier nos décors afin d'offrir une expérience différente à nos modèles, dans un cadre discret, à l'abri des regards. Nous recherchons activement des propriétaires de terrains privés et de résidences ou des propriétaires équipés de machines à gaz. Nous aurons besoin de cet endroit ou de votre machine pour une journée complète, de 9 à 18 heures. Cette durée inclurait non seulement la séance photo avec les modèles, mais inclurait la sélection des meilleures photos à la fin de la journée. La durée de la journée pourrait être ajustée en fonction du nombre de modèles que nous aurons. Si nous avons moins de modèles, la journée pourrait être plus courte. Nous prévoyons accueillir entre 5 et 10 modèles chez vous, en plus de notre équipe composée de 2 à 4 photographes. Nous aurons besoin de suffisamment d'espace pour travailler confortablement et de capturer de merveilleux clichés. En contrepartie, en investissement de votre temps, d'espace et d'utilisation de votre équipement, nous vous proposons une séance d'une heure juste avant le début de la séance photo avec les modèles. À prévoir que cette séance est planifiée entre 9h et 10h. Pour les propriétaires de terrain, la séance inclut des photos de drones de votre terrain et les membres de la famille qui vivent chez vous. Pour les propriétaires de machines à gaz, la séance inclut des photos de vous et de vos machines. Veuillez noter qu'on ne met pas à la disposition des photos incluant les modèles. Si vous souhaitez en obtenir avec les modèles, il sera nécessaire de coordonner cette démarche avec eux. Dans ce scénario, la possibilité d'achat de ces photos sera envisageable. Il est important de noter que le projet se déroulera quelles que soient les conditions météorologiques. Nous sommes prêts à travailler toutes les saisons, que ce soit en été, en automne, en printemps ou en hiver. Nous nous adapterons à la condition météorologique et ferons en sorte que notre séance photo soit une réussite, peu importe le temps qu'il fait. Pour l'été, nous recherchons des emplacements privés à l'extérieur pour réaliser des séances photo boudoir, de préférence des endroits à l'abri des regards. Nous souhaitons trouver des lieux qui offrent une intimité maximale pour créer une atmosphère propice à la séance photo. Notre objectif et de capturer des belles images tout en gardant la confidentialité et le confort de nos modèles. Nous sommes donc à la recherche d'emplacements qui répondent à ces critères. Une propriété avec des structures, un aéroport privé, une propriété avec des serres, un jardin botanique, un vignoble, un verger, un champ de tournesol, une ferme avec des animaux, un terrain boisé, isolé, propriété sur le bord d'un lac, d'une rivière, ou ce qui a un quai, une descente à bateau, des chutes, une propriété avec une piscine, un spa, un terrain privé avec des installations sportives, un terrain de tennis, un terrain de golf, un terrain de basket, tout ce qui peut être avec le sport, ça peut faire des belles photos, un garage, une cour à scrap, une grange, une chaîne de bois, un hangar. Pendant la saison hivernale, il est important que le propriétaire puisse nous garantir un endroit où nos modèles pourront se réchauffer. Notre objectif principal est d'accorder une priorité aux endroits intérieurs, mais nous ne négligeons pas la possibilité d'effectuer des prises de vue à l'extérieur. Cependant, la sécurité et le confort de nos modèles demeurent notre priorité absolue. Et nous nous efforcerons de trouver un équilibre entre les prises de vue à l'intérieur et les emplacements à l'extérieur pour garantir une expérience positive pour tous nos modèles. Exemple d'emplacements qui répondent à nos critères l'hiver: une maison, un chalet, salon, douche, chambre, bain sur pattes, escalier, grenier, corridor, comptoir de cuisine, grande fenêtre, belle table, un white une salle de jeu, pool, un hôtel, un motel, un bar, un manoir, un château, un garage chauffé. Si vous êtes propriétaire d'une machine à gaz, il n'est pas nécessaire que vous ayez un terrain disponible. Tout ce que vous avez à faire est de mettre à disposition vos machines et être disposé à vous déplacer à l'emplacement que nous vous désignerons. Environ une semaine avant la date de la séance, nous tenons à vous souligner que nous ne prenons pas en charge les frais de votre déplacement et vous devez être disponible pour la journée complète. Ce qu'on recherche exactement comme machine, c'est pour les 4 saisons. Exemple, un automobile de luxe, de sport ou modifié, une moto, une Harley, un motocross, un bateau, un avion, un hélicoptère, des automobiles hivernales, des skidoo, des snowmobiles, des 4 roues, une limousine, des camions, de la machinerie lourde, belle mécanique, ça peut faire de quoi? Une tondeuse? La présence du propriétaire sur les lieux est essentielle pour assurer un bon déroulement de la séance photo. Le propriétaire est en mesure de fournir des instructions spécifiques concernant sa résidence, son terrain
ou tout équipement qui pourrait être utilisé pendant la séance. Cette communication directe avec les photographes nous permet d'avoir une vision sur les attentes du propriétaire. Entre autres, la présence du propriétaire contribue à créer un environnement professionnel et confortable pour les modèles et l'équipe de production. Il est important à noter que seuls les propriétaires sont autorisés à rester pendant la journée sur le shooting photo. Cette politique vise à assurer un environnement de travail propice à la créativité et à la collaboration entre les modèles, l'équipe de production et le propriétaire. En étant présent, le propriétaire peut également s'assurer que toutes les consignes et restrictions seront respectées, ce qui contribue à la réussite globale de la séance. Le véritable objectif de ce projet est de propager l'amour de soi et l'estime de soi, en offrant aux individus une opportunité unique de découvrir une perspective différente de leur corps. Il s'agit d'encourager la confiance en soi et de célébrer la diversité de toutes les formes et de toutes les âges. On s'engage fermement à créer un environnement exclusif et sans discrimination dans le cadre de notre projet. Quel que soit leur apparence physique ou leur âge, on refuse catégoriquement que le propriétaire du projet ait le pouvoir de sélectionner qui peut participer et pratiquer la discrimination. Si malheureusement une situation de discrimination venait à se produire, on prendrait des mesures immédiates pour y remédier. Cela pourrait inclure l'annulation de la journée ou ce sera la recherche d'un autre lieu pour réaliser le projet, afin de garantir que chaque participant se sente respecté et valorisé. En ce qui concerne le comportement attendu, il est impératif de souligner que tout comportement, langage, vulgaire ou déplacé ne sera en aucune circonstance toléré. La priorité est de maintenir un environnement professionnel et respectueux pour toutes les parties impliquées. Si de telles situations venaient à se produire, il se peut qu'on vous demande de quitter les lieux poliment ou, si nécessaire, de mettre prématurément fin à la journée. La coopération et le respect mutuel sont fondamentaux pour garantir une expérience agréable et une réussite pour les participants. Si tu es intéressé à participer dans cette grande aventure avec nous, nous devons fixer une date d'avance. On te fournira nos disponibilités et en cas d'annulation avec un propriétaire, nous pourrons convenir d'une date plus rapidement. Je serai la personne responsable de la gestion des dates de réservation avec vous. Le but étant de réserver des dates d'avance durant l'année qui conviennent à tous. Cependant, si nous décidons de s'engager ensemble, il est primordial que les deux parties respectent leurs engagements en termes de présence, autant le propriétaire que le photographe. En plus des séances photo, nous prévoyons filmer des vlogs promotionnels sur TikTok et YouTube. Ces vidéos nous permettront de promouvoir notre travail et de partager notre expérience avec nos abonnés. Nous serons ravis d'utiliser votre endroit, vos machines à gaz pour ces tournages également. Le projet t'allume? T'as écouté au complet? Écris-moi. J'embarque, on réserve une date.